J'ai un trac fou parce que je passe juste après Michelle Obama, donc j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Alors je ne sais pas si on peut passer. Ouais. On m'a invitée au TEDx. J'ai été surprise et j'ai été stressée par un moment. Je me suis dit, la première question que je me suis posée, c'est de quoi je vais parler? Et puis, qu'est-ce que je vais vous raconter? Et qu'est-ce que vous avez envie d'entendre de moi? Alors là, je suis Mérim Aboulouafa, j'ai 26 ans, je suis architecte d'intérieur, designer, musicienne, quoi d'autre? Je suis femme, je porte le voile, marocaine, entrepreneuse, artiste. Bon. Et je perds mon texte, je pars que de ma vie. Alors je pense que le mieux, c'est de vous parler de comment je suis arrivée là aujourd'hui, devant vous, de vous raconter un peu mon parcours et puis surtout grâce à qui je suis là, au fait, aujourd'hui, devant vous. Alors je pensais que le monde tournait autour de moi. Je pensais être le centre du monde et je pensais que la vie, j'étais le personnage principal de la vie. Donc je pensais également que Casablanca était le monde, c'est pas mon monde, mais je pensais vraiment que c'était le monde. Vraiment, dans ma petite tête d'enfant, c'était vraiment très logique. Je vais vous expliquer, c'est vraiment très simple. Par exemple, à Casablanca, je ne sais pas pour les connaisseurs, pour les Casablancais, nous avons Tahiti et Miami. Je pensais que c'était vraiment les vrais Tahiti et Miami. Donc, je pensais que la coupole qui se trouve sur le parc de la Ligue arabe était celle en Palestine. Donc, je pensais que c'était la Palestine. Je voyageais tous les jours. Et là, pour la wilaya, c'est le minaret, et je pensais que chaque horloge, elle indiquait l'heure d'un pays qui est dans la même direction, alors qu'elle n'était que déréglée au final. Bon. Bon, c'est très difficile quand même pour une petite fille de ne pas croire à ça quand nous avons l'une des pièces maîtresses à Casablanca architecturale, le globe Zévaco, qui est appelé aussi le Coral Ardia. Bon. 2 ans après, mes parents m'inscrivent le conservatoire de Paris à Casablanca. Encore un détail pour me mettre en confusion. Et je fais la rencontre avec le milieu artistique. Et alors, je m'inscris pour faire de la danse classique. Il va falloir que je rapproche un peu plus le micro. Alors, je fais de la danse classique pour 2 ans. J'avais tout de suite aimé, au fait, le milieu de l'art, mais je ne savais pas vraiment ce que j'aimais dans le milieu de l'art. Donc, après, je sors, en fait, du conservatoire pour revenir, en fait, au conservatoire de Paris à Casablanca et faire cette fois de l'art dramatique, du violon, du solfège que je quitte, enfin le violon que je quitte finalement parce que je faisais plus de bruit que de musique. Donc je sors du conservatoire, j'achète une guitare, je rentre dans ma chambre, je commence à enregistrer des petites chansons, des chansons qui sont toutes simples et je m'ennuie très très vite avec la simplicité des mélodies. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me mets au fait à écrire. Alors, plus tard, je me rends compte que Casablanca n'est vraiment pas le monde. Je l'ai appris. Donc, j'étais bien consciente de ça et que ce n'était pas du tout non plus le centre du monde et que c'était mon monde à moi. Donc, j'ai décidé au fait d'écrire une chanson qui s'appelle « Smile ». Et ça s'est passé dans le contexte du festival de Casablanca. Grâce auquel, au fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'encouragement et c'est vraiment grâce à ça que j'ai décidé de persévérer dans la musique. Smile, que je vais vous chanter là tout de suite. Inside of me, I take my
Cette chanson, elle peut vous paraître un peu simple, mais elle a été mieux travaillée plus tard. Bon, alors, et vraiment, c'est grâce à cette chanson que j'ai pu faire mes premiers voyages à l'étranger. Je suis allée à Marseille, je ne sais pas le pointeur comment ça marche. Bon, je suis allée à Marseille pour faire des balades sonores. Et j'ai fait une tournée également, grâce à cette chanson-là, à Rome, cette année, avec l'ex-ministre Mouli Alaoui Idriss Ndakhli. Et j'ai participé à des... Je suis passée aussi à la BBC Radio, en fait, en Irlande. Je suis très contente pour ça. J'étais très contente. Et puis, j'ai eu mes premiers singles également, grâce au British Council. Alors, ma musique aujourd'hui, j'ai écrit plusieurs musiques depuis. Ils sont diffusés sur Mid East, qui répertorient justement la musique des musiciens arabes. Aujourd'hui, je travaille sur un album que j'ai enregistré, j'ai commencé à enregistrer cet été, à Rome également. Et c'était une Marocaine qui a fait la couverture, au fait, qui a fait la voix off du trailer du Festival de la musique d'Amsterdam de cette année. Et c'était moi. Et c'est grâce toujours à cette chanson. Alors, qu'est-ce qu'il y avait après ? Oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand j'étais enfant, je n'avais pas un rapport très particulier qu'avec ma ville, mais je créais une histoire pour tout. J'avais une histoire pour tout ce qui m'entourait. Entre autres, par exemple, là, j'avais étudié au fait dans une école publique, et je ne sais pas pour ceux qui se rappellent de ces manuels, il y avait le personnage Mariam. Je pensais être naturellement ce personnage. Je pensais que la famille royale était des membres de ma famille. Et je pensais que Hassan de Rahmo était Dieu. Du coup, ce qui revient à dire que Dieu était un membre de ma famille. Je pensais que j'allais marier dans une robe blanche et dans une église jusqu'à l'âge de 14 ans. Bon, j'ai compris qu'aujourd'hui, on a droit à l'Ammaria et autre chose. Et je pensais qu'on ne devenait adulte que lorsqu'on boit du café, qu'on fait beaucoup de gestes, de grands gestes. Bon, selon ma mère aujourd'hui, et selon cette théorie, je n'ai toujours pas grandi puisque je ne bois pas de café et je suis très réservée quand je parle. Bon, alors, l'enfance, vraiment, elle m'inspire vraiment, vraiment beaucoup. Ce qu'on appelle, au fait, ce syndrome de Peter Pan, je l'attrape, je le cultive, et j'en ai fait, au fait, un projet de fin d'études pour un premier temps, qui s'appelle Introspectus, et qui a évolué, et qui est devenu, au fait, mon agence d'architecture d'intérieur. Alors, Introspectus, c'est vraiment le retour à l'enfance. C'est le jeu avec les perspectives, c'est le jeu avec les couleurs, avec les formes, avec... beaucoup de petits riens en fait qui rend heureux, qui coûte trois fois rien, mais ça change une personne, ça ramène un souvenir.
C'est tout simple. Et c'est tout moi et c'est très sincère. Les Cap of Lies que j'avais réalisés pendant, dans le cadre de Introspectus toujours. La chaise, la Rubik's Cube Chair également. J'ai fait également des aménagements dans cet esprit. Alors, je tiens à vous présenter la personne qui m'a beaucoup influencée, qui a influencé mon parcours et grâce à qui aujourd'hui je continue à créer. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? C'est vraiment grâce à cette petite fille que je travaille aujourd'hui à réaliser ses rêves. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.